Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. On va parler de gear, on va parler de porte-plaque. Le porte-plaque UTA que je suis en train de porter maintenant. Je crois que le nom est un peu plus compliqué que juste UTA, mais je ne me rappelle plus bien. Dans tous les cas, le nom, bah, vous l'aurez dans le titre de cette vidéo. Je vais également l'indiquer, bien sûr, dans la description de cette vidéo que je vous invite à lire. Ce porte-plaque, il m'a été envoyé par WorkerKit. Donc je les remercie beaucoup pour cela. Et donc si vous êtes intéressé, le plaquier est disponible sur leur site au tarif, je crois, de 160 euros. Alors on va commencer par parler de l'avant du plaquier. Comme vous pouvez le constater, le plaquier vous est livré avec un triple porte-chargeur type M4. Et vous savez, sur beaucoup de plaquier, vous avez ce système avec les fast-tech ici et du velcro là, ce qui fait que vous pouvez facilement retirer le panneau et éventuellement le remplacer par un autre. C'est extrêmement pratique si vous avez plusieurs types de répliques qui utilisent plusieurs types de chargeurs. Là par exemple, vous avez des chargeurs de M4, mais vous prenez un autre panel avec par exemple des chargeurs de MP5, ce qui vous permet vraiment de facilement changer la configuration de votre plaquier. Ça j'aime bien pour le coup, je trouve ça assez pratique. Je pense que c'est relativement standard aujourd'hui. Là par exemple, j'ai un autre panel qui est de la marque Direct Action et pour le coup, il est compatible comme ceci maintenant. Alors bon, c'est plus ou moins les mêmes poches en réalité, mais c'est le seul exemple que j'avais sous la main. Et là, vous voyez, j'ai mes chargeurs d'AKM sur moi. Pour les mettre pendant que vous portez le plaquier, je vous conseille de vous pencher en avant. Ça vous permet de ne pas être gêné par le velcro. Comme ça, vous pouvez d'abord mettre les Fastex. Et ensuite, hop, vous sécurisez le velcro et là, il est bien accroché. Une particularité donc de ce plaquier, c'est qu'il est vendu avec ses camberbands, qui sont des camberbands élastiques et qui ont des emplacements pour mettre des chargeurs de M4. Alors déjà, le fait que ce soit élastique, je trouve que c'est quelque chose de vraiment chouette parce que ça vous donne vraiment un bon compromis entre le confort et la rigidité. C'est-à-dire que là, je l'ai quand même assez serré et pour le coup, ça tient bien quoi. En particulier, si je lève les bras, comme ça, vous voyez, mon plaquier ne fait pas hop, il reste bien en place et ça, c'est vraiment pratique. Et pourtant, eh bien, le fait que ce soit élastique, ça me permet d'avoir vraiment un peu de marge de manœuvre. En particulier, si je fais comme ça, si je respire, eh ben, le camberband va tout simplement s'étirer avec mes mouvements. Et donc, ça fait un compromis qui est vraiment sympa, quoi. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai utilisé le plaquier que j'avais acheté il y a moultes années à présent. En particulier, ce plaquier, mon plaquier JTEC que j'ai utilisé très souvent dans toutes les illustrations de ma chaîne YouTube et de ma page Facebook, c'est celui-là que je porte. Et moi, pour le coup, il n'y avait pas de camberband, c'était juste un fast-tech comme ça. Et du coup, c'était très rigide, quoi. Alors, ça tenait bien, mais si je décidais de mettre un pull, enfin, ou une soft shell, un truc comme ça, bah, soudainement, ça devenait trop serré, il fallait que je refasse un peu la config à ce niveau-là, c'était vraiment casse-pied, quoi. Donc, comme je vous disais, les camberbands ont un emplacement pour porte-chargeur. Alors, personnellement, j'aurais préféré un emplacement molly pour pouvoir mettre les poches que je veux. Bon, après, j'imagine que c'est mieux que de juste avoir un truc élastique qui ne m'aurait pas permis de mettre quoi que ce soit d'autre. Alors le truc, c'est que je peux choper mon chargeur qui est là sans trop de soucis. Je peux choper mon chargeur qui est là, ça va. Mais alors, le chargeur qui est là... J'essaye sincèrement, je ne fais pas semblant. J'essaye vraiment de le choper. Ah, je me suis fait une crampe. Enfin voilà, tout ça pour dire que... Autant les deux premiers ports chargeurs, ils sont à peu près fonctionnels, autant celui derrière, à moins de vraiment tricher en faisant comme ça et de le faire tomber, je pense pas que vous pourrez vraiment le choper, quoi. Et un autre détail, c'est que alors, vous pouvez les choper relativement facilement, par contre pour les remettre, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en gros, ouais, c'est juste un truc élastique, comme ça, ce qui fait que vous n'avez aucun point d'ancrage, aucun point rigide qui vous permet de vous aider un petit peu, donc... Vous pouvez le faire quand même, ça reste fonctionnel. Mais autant c'est très pratique pour juste le choper, pour en remettre un chargeur, c'est un peu plus compliqué. Un détail que je n'aime pas, vous voyez que le bas de l'emplacement pour le coup est ouvert. Ce qui fait que là vous avez le bec de votre chargeur qui n'est pas protégé. Il peut prendre les saletés et tout. Et c'est particulièrement vrai si par exemple c'était un chargeur de GBBR. Bah là vous aurez les lèvres de votre chargeur, vous aurez votre gaz route et tout ça qui ne serait pas protégé, et ça pour le coup je trouve que c'est pas terrible. Au niveau de la compatibilité des chargeurs pour ces poches, donc là vous voyez que j'ai mis des chargeurs de M4 et évidemment ça c'est fonctionnel. Je peux mettre aussi par exemple des chargeurs d'AK. Hop, si je le mets comme ça, ça passe, c'est fonctionnel. Ça par exemple c'est un chargeur de CX553, donc pareil, hein, c'est un 6mm chargeur de M4 on va dire, donc c'est compatible, il n'y a pas de souci. Par contre vous voyez, le fait qu'on ait les ergots qui permettent
de coupler les chargeurs, bah, ça a tendance à interférer avec les petits igouigoui qu'on a dans l'intérieur de la poche. Et bon, ça c'est un problème récurrent pour les chargeurs de SIG, les chargeurs de G36, c'est toujours un peu casse-pied. En revanche, tout ce qui est chargeur de 7.62, donc à part ceux d'AKA, là par exemple c'est un chargeur de SCA, et lui pour le coup je ne peux pas le mettre dedans. À la limite, si je poussais vraiment, vraiment fort, je pourrais peut-être le mettre plus ou moins. Ah oui, voilà, je peux le mettre plus ou moins, mais on sent vraiment que c'est pas conçu pour ça, et je pourrais pas en mettre 3 de toute façon. Là j'ai deux chargeurs de MP5, et les deux chargeurs de MP5, je peux éventuellement les mettre dans un seul emplacement de chargeur de M4, donc c'est pas le truc le plus ergonomique du monde, mais ça peut éventuellement fonctionner, quoi, si vous voulez faire ça. Alors c'est pas forcément le détail le plus important, mais je trouve que le côté design de la partie en velcro ici est plutôt sympa, ça fait un genre de logo, quoique pour le coup je trouve plutôt cool. On a un petit peu la même chose derrière, alors là pour le coup c'est le modèle qui est en Ranger Green et noir. Il y a pas mal d'autres couleurs qui sont disponibles. Il y a du multicam, du multicam black, il doit y avoir du full Ranger Green aussi. Mais voilà, en termes de design, moi je trouve ça assez cool, et même lorsque vous rajoutez rien d'autre, bah je trouve que ça se suffit déjà pas mal à lui-même. Et ça fait ridicule ce chargeur comme ça, je vais demander. Voilà. Il y a aussi le côté un petit peu asymétrique de ce point de vue-là que j'aime bien. Donc là vous avez en gros une boucle qui vous permet de facilement le retirer le plate carrière si vous le souhaitez, tandis que de ce côté là vous avez vraiment une partie qui est très très plate, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, tout simplement parce que ça vous permet d'épauler vos répliques sans avoir trop de problèmes. Par exemple, si je prends mon Acadus ici, hop, je peux vraiment plaquer la crosse ici et avoir une position de tir qui est à peu près normale, quoi. Alors c'est pas aussi confortable que si je n'avais pas de plate carrière évidemment, mais c'est quand même pas mal, quoi. Et pour le coup, j'ai fait des tests avec un petit peu toutes les répliques que je possède, et d'une façon générale, j'arrive à épauler, quoi. Même un truc très encombrant comme ce G3, et ben j'arrive à avoir une position qui est pas mal, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux dire avec tous les plates carrées. Par contre, comme je disais juste auparavant, c'est asymétrique, ce qui fait que du côté de mon épaule droite, tout va bien. Par contre, du côté de l'épaule gauche, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que le Fastex me gêne un petit peu, quoi. Ce qui fait que j'ai pas une position qui est aussi confortable pour le coup. J'en parlais en début de vidéo, j'ai également demandé à Worker Kit de m'envoyer ses protections pour les épaules. Donc là, j'en ai une de montée sur moi, et j'en ai une qui est là directement pour que je puisse vous montrer. Donc franchement, il n'y a pas 500 000 choses à dire à ce sujet. Vous avez une lanière ici qui vous permet de l'accrocher à la partie supérieure de votre plate carrière. Là, vous avez une bande qui permet de sécuriser la protection sur votre bras, donc qui est là. Et donc, ça suit bien les mouvements de votre bras, vous pouvez faire, ça ne vous gêne pas spécialement. Après, bon, soyons clairs, c'est très très dispensable, hein, ça ne sert à rien. Éventuellement, ça va vous protéger un petit peu des impacts de bim. Enfin, les épaules, en général, c'est pas un endroit qui est spécialement sensible, je trouve. Et moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un look qui est particulier. Moi, j'aime beaucoup ce côté asymétrique. Pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, en fait. Je trouve que sur un plan strictement esthétique, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, on l'a vu, donc, ici, nous avons un système de dégrafage rapide, on va dire. On a un petit peu les mêmes ici, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Peut-être que vous vous posez la question de savoir ce que c'est. L'idée, c'est que de part et d'autre, vous avez une languette ici. Vous tirez vers le bas comme ça, et ça vous permet de retirer le Gummerman, et ainsi de pouvoir facilement retirer ou remettre votre plate carrière. Ensuite, ça s'installe très facilement, vous le glissez simplement comme ça. Ça, pour le coup, c'est assez facile à faire, c'est assez confortable. Là où je trouve que c'est un petit peu dommage, déjà je trouve ça un petit peu redondant, je me dis, bon, il y en a un de chaque côté, s'il y en avait eu un d'un seul côté, à mon sens, ça aurait été suffisant. Et là où c'est un peu dommage, c'est que, alors, je suis pas certain qu'on ait un choix de Gummerman de toute façon sur le site de Worker Kit, mais je me dis, si je mettais un Gummerman avec des passants molles, bah ici, ça ferait un emplacement de perdu, quoi. Je me dis, c'est quand même relativement encombrant, je pourrais tout aussi bien, par exemple, mettre une poche chargeur, ou peut-être une poche radio, ou n'importe quoi. Là, ça fait vraiment un emplacement qui, du coup, va vraiment être réservé au fait de pouvoir retirer ou remettre rapidement les plaques carrières. Et je trouve que c'est un petit peu un gaspillage de place. Surtout que l'emplacement qui est ici, c'est vraiment l'emplacement qui se situe dans votre zone de travail, si je puis dire. Et pour moi, c'est des emplacements qui sont assez précieux, quoi. Donc je vais retirer le plaque carrière pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc je retire la protection des épaules. Alors, elle se scratch aux emplacements velcro de mon combat cœur, donc ça c'est pas forcément fait exprès,
Mais ça vient avec. Hop. Je retire ça comme ça. Et voilà. Ouh, j'ai bien transpiré, moi, dis donc. Alors, au niveau de l'intérieur, vous pouvez voir que le Black Carrier est livré avec ses bidules. Donc, ça vous sert de... Ça vous sert de coussin en quelque sorte, ça permet d'améliorer le confort. Alors c'est relativement confortable, en revanche je suis un peu sceptique au niveau de tout ce qui est respirabilité. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pour le coup pas mal transpiré. Et alors voilà, peut-être que l'air peut passer entre les coussinets, mais je suis un peu sceptique quoi. Je suis pas certain qu'en termes de respirabilité ce soit vraiment génial. Pour le coup vous avez les mêmes derrière. Et donc pour le coup je vous ai montré le plat de carrière. Avec des fausses plaques balistiques. Ces fausses plaques balistiques ne sont pas livrées avec le plat de carrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever toutes les deux. Hop, et je vais remettre le plat de carrière. Bon, j'ai pas bien remis l'épaule, mais bon, c'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer, voilà, là je n'ai plus de plaque. Donc vous voyez qu'il est beaucoup moins large qu'auparavant. Mais en dépit du fait qu'il est moins rigide, bah, il est quand même fonctionnel, quoi. Je peux quand même utiliser les porte-chargeurs. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, c'est vous que ça regarde en quelque sorte, mais moi je sais que ça me dérange de porter un plat de carrière dans lequel il n'y a pas de plaque. Pour moi, ça me semble bizarre, quoi. Quitte à utiliser un plat de carrière sans plaque, bah, autant utiliser un chaise-trick directement. Après, tous les goûts sont dans la nature, quoi. De la même façon, un plat de carrière, ça se porte relativement haut. Il y a beaucoup de gens qui le portent un peu trop bas. Un plat de carrière, c'est vraiment conçu pour protéger vos zones vitales, hein, en gros votre cage thoracique. Et en gros, le haut de votre plat de carrière, il doit arriver au début de votre sternum, c'est à peu près au niveau de vos clavicules. Et vous voyez, moi, mon nombril, il est là à peu près. Donc, certains ont trouvé que c'est peut-être un peu haut, mais il me semble que c'est vraiment comme ça que c'est supposé se porter pour le coin plat de carrière. Et c'est pas confortable. Hein. Moi, j'aimerais bien le mettre un peu plus bas, mais si je le mets un peu plus bas, bah, ça ne protège plus mes zones vitales, et c'est moins logique. Et moi, dans ma tête, ça me dérange. Après, c'est vous qui voyez. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce plat de carrière UTA de chez Worker Kit. Je les remercie encore une fois pour m'avoir donné l'opportunité de le présenter. Alors, j'y connais pas grand-chose, hein, très sincèrement, en matière de gear, en matière de plat de carrière. Tout ce que je peux vous dire, bah, c'est que je l'aime bien. J'aime bien son look, j'aime bien son confort. Je trouve qu'il est relativement confortable pour un plat de carrière. Pour tout ce qui est détails techniques, je vous invite à aller voir la fiche produit directement pour avoir le matériau, pour avoir le poids, ce genre de choses. Donc, j'ai pas fait de test spécial au niveau de la durabilité, on va dire. J'ai un petit peu essayé de forcer, vous voyez, au niveau des passants mollets. Et bon, ben, vous voyez, ça résiste plutôt bien. J'ai pas forcé comme un bœuf, mais j'y suis allé un petit peu pour voir si je pouvais l'arracher facilement ou pas. Ça n'est pas le cas. J'aime bien aussi donc ces protections d'épaule que j'ai demandé à Worker Kit de m'envoyer également. Donc ça, c'est vraiment le côté inutile mais indispensable qu'on retrouve assez souvent dans un... Moi j'aime bien, peut-être que je m'en servirai quoi pour le coup, parce que je trouve ça vraiment rigolo. Et on va dire que dans tous les cas, même si ni le plat de carrière ni les protections d'épaule vous intéressent, je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil au site de Worker Kit, parce qu'ils ont quand même quelques articles qui sont intéressants dans le côté hors normes. En particulier, ils ont pas mal d'équipements qui a pour objectif de rappeler un petit peu les armures de samouraï. Je vous mets des exemples à l'écran. Je crois que Nonocat, pour ceux qui la connaissent, a fait une vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien par ici. Je crois que c'est par ici que ça se passe. Pareil, ce sera dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut !